Hello les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du 100 bébés challenge. J'ai toujours ma voix qui part en couille. Mais c'est pas grave. Donc, je vous avais promis de relooker un peu les enfants. C'est chose faite. C'est chose faite. J'ai un petit, tout petit peu modifié Kibou. Lui, je lui ai retiré son immonde queue de cheval. Notre matriarche, je lui ai changé sa coiffure parce que vous n'aimiez pas trop. Donc voilà. Donc nous étions près d'Alexandre, il est pas en dessous, j'ai l'impression. Oh non, c'est pareil, on va pas recommencer. Ah, oh, mais c'est pas vrai! Bon, toi tu me saoules. Allez, on va essayer de faire un mouflet, hein. C'est nickel. Bon, toi tu sors 2 secondes. Toi tu sors 2 secondes. Hein, je voudrais pas que tu me sabotes mon truc là. Allez, va jouer au tigre. Voilà. Toi, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu vas aller au petit coin. Et tu vas regarder la chaîne de cuisine. Ça va te faire augmenter tes trucs. Toi. Ça va, ils font leur devoir, c'est nickel. Bon, j'espère que ça a marché en tout cas. Qu'elle va tomber enceinte. Parce que là, j'en ai marre qu'ils me pètent la maison de poupée de mes gosses. Ça commence légèrement à me bourrer dans le mou, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne parle pas de Lucie. Donc, ceux qui auront compris la blague expliqueront aux autres. Hein. Voilà. Donc, toi, il faut que tu atteignes un certain niveau de compétence. Ah oui. Bah écoutez, moi je sais ce qu'on va faire. S'asseoir. Et la puce ici, elle va regarder la chaîne actuelle. Toi, est-ce que tu es enceinte? Va faire un test de grossesse, s'il te plaît. Et dis-moi que c'est oui. Et voilà! Donc Alexandre, Alexandre Gauthier, que j'ajoute à la liste. Donc il va nous faire pondre le 13e enfant. Alexandre Gauthier, voilà. Donc je sens qu'il va encore aller nous péter la maison. Donc toi, tout de suite, tu l'accueilles, s'il te plaît. Ah bah non, la maison est déjà cassée donc. Bah écoute, tu dégages, hein. Toi, tu dégages. Merci, au revoir. Non, je m'en fous. Tu dégages. Juste ce que je voulais. Au revoir, dégage, merci. Ah oui, je voulais que tu partes, donc c'est nickel. Hop. Toi, est-ce que tu as un trait à... Oui, tu vas regarder la télé aussi, regarder la chaîne actuelle, ok, hop. Toi, ma petite pupuce. Ah bah tu vas manger un bout, hein. Hop. Ouvrir. On a fait assez de plats de pâtes pour toute la famille. Elle. Prendre une portion de pâtes aussi. Et toi, tu vas continuer ce que tu faisais. Tu vas reprendre l'écriture. Écrire. Reprendre l'écriture du petit tigre. Et ça sera parfait. Et là, on a tout le monde qui regarde la téloche pour... voilà, c'est nickel. Et la petite puce ici, qui sait déjà tout. C'est parfait. C'est parfait. Donc, je vais juste vite sauvegarder mon petit bloc-notes. Et vite sauvegarder ici aussi, avant de faire une bêtise. Ah oui, aussi, j'ai corrigé mon fail. Hein. J'ai rajeuni la petite... notre Sim 7 qu'on avait trop vieilli. Pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ma petite puce, oh bon là là. Voilà. Ici notre petite puce, ben, elle va aller regarder la télé que les autres. Voilà, hop, un petit peu.
pendant que toute la petite famille se réunit dans le salon. Ouais, ils ont tous la dalle. Ouais. Ouais, toi c'est bon. Bah écoute, tu vas juste peindre une petite toile avant d'aller dormir. Oh, les deux sœurs qui sont des câlins, c'est typa mignon. Bon, il est 20h la petite, hein. Allez au lit. Hop, au lit. Toi. Bah, au lit aussi. Toi, petit gars. Ah oui, de nous réparer le truc. Manger un bout. Et puis. Au lit aussi. Au lit, et la demoiselle, elle va aller directement au lit aussi. Voilà. Hop. Mais... Toi, la maman, tu nous as fait quoi? Vendre collectionneur, c'est nickel. Super, allez. Fait une toile, allez, elle a l'air. Non. Oh, mais vous êtes relous là, les gars. Vouloir tout sortir, vous croyez que j'ai que ça à foutre? C'est bien ça, regardez-moi ça. Ouah, c'est beau ce qu'elle nous fait, Lucie, quand même. Sans déconner. Et voilà. Un petit pipi, et ça ira mieux. Tous les enfants dorment, c'est parfait. Allez, va dormir. Et voilà. C'est bien. Ok, donc ça c'est super à mon avis. Peut-être cet épisode-ci, peut-être que Casa grandira. Ce qui sera pas mal quand même. À ta faim? On va manger un petit bout de gâteau parce qu'il y a un gâteau qui traîne là depuis des lustres. Casa qui hurle dans son berceau. Ça va aller, ça va aller. Voilà, on change, on allait, on fait tout ce qu'il faut. Ah, je vois qu'il y a des enfants qui sont déjà réveillés. Donc, ouvrir, toi. Hop, prendre une portion. Ouais. Les deux ados. Ouais, ça craint.
Et la plus petite. Voilà, comme ça tout le monde sera bien. La maman, elle, hop, allez, au travail, au turbin. La grande toile, et on va s'en sortir comme ça, j'en suis sûre, les amis. Bah c'est bon, hein, tout le monde. Ah oui, toi, au-dessus, tu te sens comment? C'est pas top, hein. C'est pas top du tout. Tu vas jouer. Est-ce que... Oh, il débarrasse toute la table. Qu'il est bien, ce fils, qu'il est bien éduqué. Toi. Elle a son quantième trimestre. Elle est à son deuxième trimestre. Ah non, deuxième trimestre dans 12 heures, dans 11 heures. Ok. Ici, la petite, elle est bien. Bien sûr, il me bousille tout. Hein. C'est normal, comme d'hab. Hein. Donc, toi. Une douche, ça c'est bien. Et tu vas téléphoner après, tu vas téléphoner, discuter avec, tu vas discuter avec ta soeur. Toi, tu vas discuter avec lui. De remplir un petit peu les jauges avant qu'ils aillent à l'école. Notre maman, ça c'est bien. Qui nous fait des trucs super. Donc tous nos enfants sont à l'école. Ils sont de bonne humeur. On va les faire réviser assidûment. Je veux qu'ils aient des bons points tous. Par contre, Julien. Je crois qu'on va le faire partir parce que c'est pas mon enfant préféré. Et je pense qu'on gardera les deux filles. Kasia est tranquille dans son berceau. Tout va bien. Ouais, ça sert à rien en fait ce fils. Ce fils me sert à rien. Je pense que le premier épisode, on va le évacuer. Si je peux dire comme ça. Bon, maintenant, tu vas téléphoner à discuter avec. Elle appelle ta sœur. Ah, j'ai des petits lags bizarres. C'est bizarre, vraiment bizarre parfois que j'ai ça. Bon, tu vas nous faire quoi? Tu vas nous cuisiner. Tu vas nous cuisiner. Des œufs brouillés, déjà pour tout le monde. Elle va nous faire deux plats aujourd'hui. Je lis pas, je vous avoue. Oh, il y a Lucie qui est malade. Hop. On pourrait lui faire cuisiner d'autres. Des gratins, un gratin. Ouais, c'est pas tip top, hein. Voilà, quand notre bébé s'en occupe. Toi,
Ouais. Assieds-toi un coup. Et on va la faire discuter avec les autres. Oui, parce que c'est bizarre comme le truc. Voilà. Un peu discuter avec son frère. Donc j'espère que les enfants, ça ira. Ah oui, mais ils ont pas. Ah, lui, je crois qu'il va avoir un B ou un truc du genre. Même s'il a pas tout. Là, elle a nausée. Elle va détendre, regarder la chaîne d'humour. Oui, il y a le tableau que j'ai pas encore vendu, tiens. Ouais, toi, tu vas retourner à l'étage. Allez, vas-y, vends-moi la toile, histoire de faire un petit peu des sous. On a 10 000 Sims, ça c'est super bien. On est au tiers de ce qu'on doit avoir. Là, je suis grave contente. Bon, voyons voir. Encore une fois, j'ai pas la pression. Ouais, non. Ça craint. Tout ma puce, fais tes devoirs. Lui. Ouais. Continue à écrire ton livre. Elle a. Ah, oh, c'est beau ce qu'elle a fait. Oh, ça, c'est beau ça. Ouais, mais on gagne quand même plus de sous avec les trucs à. Sa vie en peignoir, en fait, de la mère. Quel exemple. Très joueuse. C'est le gâteau, peut-être. Je sais pas. Non. Oh, ça, c'est beau. Notre fille commence à faire des belles toiles quand même, hein. C'est pas mal du tout. Ah, notre kibou est terminé cette fois. Bon. Les devoirs sont terminés. On va vraiment essayer de faire au mieux qu'elle soit bien. Prendre une douche. Ouvrir. Et elle va continuer à nous à jouer. Pour qu'elle puisse se détendre au maximum. Ça c'est fait. Bon, mes ados.
Et les gars, je vais devoir vous laisser déjà. C'est abusé comme ces épisodes passent vite, les amis. C'est abusé. En tout cas, j'espère que vous passez du bon temps en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.